Alors, on va parler des appareils électroniques. Les appareils électroniques. Je vais vous parler de quand moi j'étais petite. Alors moi, quand j'étais jeune ou quand j'étais petite, moi, j'utilisais la technologie différente. Oui, alors moi, quand j'étais jeune, quand j'étais petite, j'utilisais. Eh bien, on va voir qu'est-ce que j'utilisais. Alors moi, quand j'étais jeune, j'utilisais un appareil photo. Oui, voilà, un appareil photo. Un appareil photo, c'est masculin. J'utilisais un appareil photo pour prendre des photos. Oui, pour prendre des photos. Pour prendre des photos. Prendre, voilà. Alors j'utilisais un appareil photo pour prendre des photos. Aussi, j'utilisais une caméra. Une caméra. J'utilisais une caméra pour enregistrer des vidéos. J'ai bougé ça, voilà. Pour enregistrer. Enregistrer des vidéos. Oui, pour enregistrer. Mais attention. Attention, caméra. Ce n'est pas camera. Non. C'est video recorder. Camera, c'est un appareil photo. Une caméra pour les vidéos. Oui. Alors, quand j'étais plus jeune, j'utilisais un appareil photo et puis une caméra. Mais maintenant, j'utilise un portable. Oui. Maintenant. J'utilise, je peux même dire, mais maintenant, j'utilise un portable. Maintenant, j'utilise un portable pour prendre des photos, pour enregistrer des vidéos, etc. Oui. Regardez, portable, c'est du verbe porter. Porter, to carry. Donc, portable, carryable ou mobile. Oui. Alors, c'est un téléphone portable. Mobile phone, mais on dit un portable et mobile, comme en anglais. Donc, c'est un portable. J'utilise mon portable pour prendre des photos et pour enregistrer des vidéos. Aussi, quand j'étais jeune, quand j'étais plus petite, aussi, j'utilisais un CD ou des CD, peut-être mieux dire, j'utilisais des CD ou un lecteur MP3. Alors, j'utilisais des CD ou des disques compacts, des CD ou des disques compacts ou un lecteur MP3 et j'utilisais des CD ou ces lecteurs MP3 pour écouter de la musique. Oui, pour écouter de la musique. Mais maintenant, j'utilise mon portable. Oui. J'utilise, je n'ai plus de lecteur MP3, je n'ai pas de CD. J'utilise mon portable pour aussi écouter de la musique. En fait, moi, je dirais
J'utilise mon portable pour tout. J'utilise mon portable pour tout. Pour prendre des photos, pour enregistrer des vidéos, pour écouter de la musique. Oui, j'utilise ça pour tout. Ouais. Aussi, avant, j'utilisais un lecteur DVD. Voilà, un lecteur DVD. J'utilisais un lecteur DVD pour regarder des films. Qu'est-ce qu'il fait par là? Pour regarder des films. Regarder des films. Aussi, attention, un lecteur DVD, un lecteur MP3. Lecteur, c'est du verbe lire. Lire, to read. Oui, donc lecteur, c'est a reader of the noun. Yeah? From the verb to read, a reader of, un lecteur, a reader of DVDs, un lecteur MP3, a reader of MP3, like music files. Ouais, donc lecteur, c'est du verbe lire. Mais bon, alors j'utilisais un lecteur DVD pour regarder des films, et puis maintenant, maintenant, je peux utiliser mon portable pour regarder les films, mais aussi j'ai une tablette. J'ai une tablette, mais aussi c'est une tablette avec écran tactile. Ouh là là! Ouais, écran tactile. Alors, ma tablette féminin a un écran tactile. Tactile, touchable. Yes, same in English. Links, doesn't it? Donc, écran tactile et touch screen. Alors, ma tablette avec écran tactile, et j'utilise ma tablette pour regarder des films. Ouais. Aussi, quand j'étais plus petite, j'utilisais un ordinateur. Oui, voilà. Ça, c'est un ordinateur. J'utilisais un ordinateur pour m'aider avec mes études. Pour mes études. Voilà. Pour mes études. Aussi, j'utilisais une un imprimante. Une imprimante pour imprimer mes devoirs, en fait, pour imprimer mes devoirs. Oups, voilà. Pour imprimer mes devoirs. Oui, donc j'utilise un ordinateur pour m'aider avec mes études, puis une imprimante pour imprimer, mais aussi mon ordinateur avait une webcam. Ouais. Une webcam. Aussi, mon ordinateur avait un écran. Pas un écran tactile comme ma tablette. Non, non, non. Un écran, tout simplement. Un écran. Aussi, mon ordinateur avait. Oups. Une souris. Une souris. Et puis un clavier. Ouais, un clavier. Un clavier avec des touches. Avec des touches. Touches, c'est féminin. Et j'utilisais les touches pour taper. Pour taper des mots. Pour taper. Tu type. Ouais. Alors j'utilisais le clavier pour taper. Ouais. Aussi, j'utilisais une disquette. Une disquette pour sauvegarder mon travail. Pour sauvegarder mon travail.
Alors, j'utilisais cet énorme ordinateur avec imprimante pour mes études, mais maintenant, mais voilà, maintenant j'utilise un ordinateur portable. Voilà, that's that word portable again, isn't it? Meaning carryable that you can pick up and take with you. Donc, ordinateur portable, laptop. Ouais, makes sense, doesn't it? Alors, j'utilisais un ordinateur portable. Donc, j'utilise maintenant un ordinateur portable. Avant, j'utilisais un ordinateur. Aussi, mon ordinateur portable. Mon ordinateur portable a les meilleurs logiciels. Oui, les meilleurs logiciels. Logiciel, c'est masculin. Puis ça veut dire ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, alors, mon ordinateur portable, les meilleurs logiciels. Aussi, maintenant, je n'utilise plus de disquette pour sauvegarder mon travail. Je n'utilise pas de disquette. Maintenant, j'ai presque tous mes fichiers. J'ai presque tous mes fichiers. Mes fichiers, fichiers c'est masculin. J'ai presque tous mes fichiers dans le cloud. Ou on peut dire dans le nuage. Donc j'ai presque tous mes fichiers, voilà. Dans le cloud, dans le nuage. Plus de disquettes, tout dans le cloud, tout dans le nuage. Et voilà comment a changé la technologie et les appareils électroniques.